Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. Louange à Allah, nous le glorifions, nous lui demandons son aide et implorons son pardon. Nous croyons en lui et en lui nous plaçons notre confiance. Nous cherchons protection auprès de lui contre tout mal venant de nous-mêmes et contre les méfaits de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Al-Hijra, l'immigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le premier Muharram de ce mois marque l'exode du prophète Mohammed, que la bénédiction et le salut soient sur lui. Cette date marque aussi le nouveau lord de l'Hijra. C'est le deuxième calife, Omar ibn al-Khattab, qui fut choisi l'année de la Hijra comme point de départ du calendrier musulman. C'est l'occasion de se rappeler que la Hijra, l'immigration du prophète Mohammed, est un événement d'une importance capitale dans l'histoire de l'islam qui a eu lieu justement il y a 1440 ans lunaires et qui a permis de faire apparaître cette nation musulmane que nous sommes, qui adore et croit en un seul Dieu. Allah le Très-Haut dit, celui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, l'islam, pour faire triompher sur toute autre religion. Allah suffit comme témoin. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quitta la Mecque, la terre la plus aimée auprès d'Allah et de son messager vers Médine, autrement appelée Yathrib, avec la permission de son Seigneur, après y avoir résidé 13 années en transmettant le messager d'Allah, appelant Allah avec clairvoyance, sans y avoir trouvé de la part de la majorité de Quraysh et des saints notables que le rejet et le détournement à son appel. L'oppression exercée par Quraysh, tribu qui gouvernait la cité de la Mecque, était la raison directe de la hijra du prophète et ses compagnons qui ont été persécutés, torturés et empêchés de pratiquer leur foi. Allah Azzawajal dit, et quiconque immigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre mer, refuge et abondance. Sourate An-Nisa, les femmes verset 100. Les Quraishites avaient préparé un complot pour assassiner le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le meurtre fomenté par tous les clans rendait difficile toute vengeance pour la famille du prophète alayhi salam. Mais notre prophète bénéficiait du Tout-Puissant, celui qui voit tout et qui entend tout. Si Allah vous donne son secours, nul ne peut vous vaincre. Surat la femme d'Imi Imran, verset 160. L'ange Gabriel révèle au prophète sallallahu alayhi wa sallam les intentions des Quraishites. Dès lors, notre prophète bien-aimé prit toutes ses précautions et il demanda à Ali ibn Abi Talib, son cousin, de prendre sa place dans son lit la nuit de son immigration. Allah le Très-Haut dit, et rappelle-toi le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner ou t'assassiner ou te bannir. Ils complotèrent, mais Allah complote, et Allah est le meilleur en stratagème. Surat Al-Anfal, le butin, verset 30. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à son compagnon Abu Bakr, je suis autorisé à sortir. Abu Bakr lui dit, l'accompagnement, c'est-à-dire je veux t'accompagner. En effet, Abu Bakr avait l'honneur d'accompagner le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa noble immigration. Au cours de ce trajet, Abu Bakr, qu'Allah l'agré, nous donne un exemple de l'amour qu'il avait envers le messager sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr était le plus brave des hommes. Chacun de ses gestes était empreint de dignité. Cet exil marqua un tournant dans la mission du prophète et dans l'histoire de l'islam. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui lui suivront jusqu'au jour du jugement dernier. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.